Salut à tous, on se retrouve encore pour un petit jeu sur GameCube. Je vais essayer Mario Kart GameCube. Tiens, j'ai jamais joué, on va prendre un grand prix. On va prendre, allez, soyons fous, 100 cm cube. Alors ouais, j'ai vu qu'on jouait avec deux personnages, donc je vais prendre Mario. Et puis tiens, pour French Shuffle, je vais prendre Peach avec moi. Donc on va faire juste une petite coupe, la coupe champignon. Donc j'ai vaguement vu sur internet en fait qu'apparemment il y avait une histoire aussi de... Comment ça s'appelle ? De dérapage, mais j'ai pas trop pigé la technique. Donc c'est parti, allez princesse, pousse la voiture. Donc ouais, je vois qu'on pouvait alterner les joueurs. Alors bah déjà c'est super super coloré quoi. Super coloré, donc encore une fois je joue avec la manette que je vous ai présentée la dernière fois de Banggood. Vous voyez la manette qui marche très bien. Donc ça ouais, c'est comme la version Wii, il y a des pistes pour accélérer. Mathias tombe bien, j'ai eu l'étoile d'invincibilité. Ajouter ouais, une petite peau de banane arrière, une petite coquille rouge devant. Ouais, le jeu pour l'instant a l'air très fun. J'aime bien les musiques, alors j'espère qu'il n'y aura pas de copyright de Nintendo, mais en général ils ont copyrighté leur musique. Donc ça je vous le préciserai dans la description de la vidéo si jamais les pages de pub sont utilisées par eux. Et ouais, donc par contre j'ai pas capté en fait à quoi ça servait de pouvoir intervertir les deux pilotes là. Donc j'ai remis la princesse derrière. Là il y a le boulet bombe là. Heureusement qu'il en laisse. Donc c'est qui est devant c'est Wario. Bah, enfin, sinon, il n'y a pas trop de surprises, quoi. C'est les gadgets habituels, les carapaces. Alors si, j'ai vu qu'il y en avait une bleue avec des ailes. Je sais pas quelle est la différence avec les autres. Voilà, bah, la verte, on la connaît. La rouge aussi. Ah, la peau de banane. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme bonus? Tiens, moi aussi, je pourrais être des bananes. Et du coup, il y a des bananes de partout, quoi. Qui c'est qui a foutu les bananes là où on peut prendre le turbo? Je suis à la troisième. Donc il y a des gens en contre-sens sur l'autre côté. Allez hop, encore un petit bonus. Petit turbo, ouais, bah ça c'est le bonus habituel. Ah, le jeu, ouais, c'est sûr qu'il est beaucoup plus fun à plusieurs. J'ai vu qu'on pouvait jouer à 4 en plus. Alors, c'est quoi ça, les flammes? C'est un truc spécial de Mario. Ok, oula, qu'est-ce qui nous rentre dans le derrière là? Ah, encore des bananes. Attention au mur. Premier, pour l'instant ça va. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai? Bah, la carapace verte, hein, je t'ai loupé. Tiens, c'est bien fait. Wario, il s'est pris la peau de banane. Premier. Oh, je me suis pris la carapace, mais heureusement j'étais arrivé dans les premiers. C'est assez fun. J'ai pas trouvé Todd, parce que moi sur Super Nintendo, je jouais avec Todd souvent. Et sur la Wii aussi, il me semble que je jouais avec Todd. Allez, la princesse, tu vas pousser le kart, ça va te faire du bien. Ah, j'ai loupé le départ là, ouais. C'est vraiment bien loupé le départ. Petit niveau, ouais, bah ça j'ai déjà vu, je sais plus sur quelle version. Peut-être la version Wii, non? Avec la ville et le port. Alors, c'est quoi le QR? Oui, je crois qu'avec ça on peut piquer les bonus d'un autre joueur. C'est le bonus de la princesse. Par contre, quand je suis 6ème, là ça craint un petit peu. Il faudrait voilà, quelques cubes, allez, quelques bonus. Ah, une carapace verte. Ouais, donc il faut que j'apprenne à maîtriser les dérapages, parce qu'apparemment c'est un peu comme sur Sega. Sega and Sonic Racing, ça peut nous donner des petits boosts de vitesse. Ah, troisième, c'est bon, je remonte un petit peu. Qu'est-ce que c'est, la tortue qui vient à côté? Allez, pousse la tortue. Tiens, tiens, voilà. Tortue, tiens les carapaces, tu t'en as mangé une dans la tête. Alors, la mer qui se retire. Ah voilà, donc j'essaye un peu le dérapage. En fait, il y a une histoire de flamme, j'ai vu ça vite fait sur internet. Quand je change de couleur, on a un meilleur boost, mais j'ai pas trouvé ce qu'il faut faire. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il s'est détaché le boulet? Ou c'est un truc... Parce qu'il y a un boulet en liberté. Deuxième, allez, dernier tour. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une carapace verte. Ouh, bah, j'ai évité le mauvais bonus, sinon je l'ai piqué. Enfin, j'ai pas trop compris, on va éviter ces petites bestioles qui marchent. Hop là, qu'est-ce que c'est? Ah, 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 une coquille verte encore. Coquille verte, elle rebondit sur les murs, mais là, avec la mer, elle part directement dans l'eau, quoi. Un petit bonus avant l'arrivée, une peau de banane. Hop là! Et encore premier!
Ah, c'est agréable de retrouver un peu tous ces vieux jeux de l'époque GameCube là. Et d'y rejouer un peu. Alors il y a pas mal de jeux, hein. J'ai vu qu'il y avait Mario Tennis, il y a Mario Golf. Mario Sunshine que j'ai testé pour voir si la manette était bien analogique. C'est quoi ça? Circuit de la fête foraine. En fait j'ai zappé, on pourrait voir le circuit je pense au début. J'appuie sur start à chaque fois. Allez pousse princesse. Ouais, qui c'est qui me rend dans les fesses? Ah, le circuit en fait est... c'est juste une piste de course. Et j'ai pas fait gaffe pour rendre qu'à 7 tours. Ouais, c'est une piste de rapidité, là je suis 7ème, non 5ème. Petite coquille. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? D'où elle sort cette coquille, elle est immense. Ah, il y a Princesse en plus qui était sur la route, quoi. Heureusement, elle s'accrochait aux cartes. Bon, c'est bon, là, j'ai une petite invincibilité. Qu'est-ce que c'est que cette torte, cette carapace de tortue immense? Eh bien, pourquoi elle n'est pas touchée, ma coquille rouge? Je l'envoie en arrière? Ah ouais, ça, c'est le truc de l'éclair, tout le monde arrête ici. Ah, ça va plus très vite, là, allez, un petit bonus. C'est quoi, ça? Baby Mario et Baby Luigi? Dans un landau? Non, pas Baby Balou. Ah, le truc spécial, et puis j'ai le... C'est quoi, ça? Ah, je peux jeter un œuf de Yoshi? Allez, avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Moteur à caler? Ah, 7ème par contre, ça craint. Oula, la carapace, le mauvais bonus, ça. C'est pas de bol, 5ème tour. Alors ça, c'est quoi? Ah, bah l'invincibilité, allez hop, dégage-toi. Qu'est-ce que c'est encore qui est passé? J'ai cru voir un gros boulet noir. Encore le spécial, une carapace verte sur la route. Allez, j'arrive pas à remonter par contre. Hein. Oula, oula, la grosse carapace. Ah bah cette fois-ci c'est moi qui l'ai eu, alors je sais pas si c'est un objet spécial ou le truc de notre concurrent. Alors 6ème par contre, ça craint du boudin, 5ème. Et il me reste, ah bah c'est le dernier tour, non? Ouais, 5ème, j'ai quand même pu remonter un petit peu. Ah ouais, Mario pas content et la princesse non plus. Ouais, là je vais être combien dans le classement? Ah, je passe 2ème, 3ème, je perds une place. Oh, ça me rappelle quelque chose, c'est le circuit des pharaons. Alors je sais pas aussi s'il y a des duos spéciaux qui fonctionnent mieux. Là voilà, j'ai pris Mario parce qu'il n'y avait pas Todd et puis j'ai pris la princesse, je vous le dis, pour French Shuffle. Ça lui fera plaisir. Ah bah tiens, j'ai l'invincibilité dès le début. Ouais, c'est tortueux là, il faut se servir un peu du dérapage avec L et R. Il faudrait peut-être que aussi que je me sers un peu du frein quand même, ça serait quand même... la touche ne doit pas être là pour rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, hé, hey, princesse est derrière. Adieu, princesse. Oula, le sable mouvant, ouais, il nous attire vers le bas, ça nous ralentit bien tout ça. Ah, c'est quoi? Oh putain, il y a des vers de terre maintenant. Ah, magnifique. Je roule comme ma manche. On va essayer de prendre le bonus, là. Allez, ah, magnifique, je vais les louper. Ah ouais, ça picote, hein. Les deux premiers circuits étaient les doigts dans le nez, mais là, après... Alors encore une fois, je vous le redis, pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, enfin, là, c'est la première fois où je joue à ce jeu sur GameCube. Donc là, le jeu est sur Wii. Mais j'ai jamais joué avant à ce Mario Kart et je connais pas du tout les circuits. Ben, maintenant, je m'envole. Donc j'ai mis 100 cm3. Parce qu'en général, 50 cm3, c'est un peu trop facile. Je tombe arrivé premier pendant... À partir de la moitié de la course, c'est pas marrant. Et là, je connais pas du tout les circuits. Je sais même pas s'il y a des raccourcis ou des trucs. Là ouais, je suis le 6ème par contre, ça craint, on va essayer d'éviter le sable mouvant, oui, non, oui. Eh non. Ah, au secours. On suit où? Deuxième tour sur 3 en plus, ouais. On va essayer de passer entre les deux. Ah, il y a quelqu'un qui a piqué le bonus. Bah mince alors. En tout cas, ouais, l'effet visuel est quand même bien rendu, tiens, encore un œuf de Yoshi. Ah, j'ai loupé, il y avait un petit champignon, champignon. Oh non, le visuel est bien rendu. Et encore là, ça va le mettre en 4 tiers, mais sur mon écran de télé, moi ça sort en 16 neuvième, mais l'image est vraiment pas mal quoi. Sur le boîtier qui capture la vidéo, je sais pas pourquoi ça ressort en 4 tiers et puis en plus petit un peu que l'écran. Ah, j'essaie d'utiliser le turbo pour couper à travers la terre, mais là c'est cuit, on va éviter ça, ça malus. 6ème, ça craint du boudin. Aïe 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 aïe. 5ème. Allez, on évite le sable mouvant. Non. Ah.
Un bonus. Oh, misère, je me suis pris la tornade à la 6ème. Allez, c'est cuit. Ouais, c'est le turbo. Le verre de terre, le pilier. Aïe, 7ème, ça craque. Où elle est l'arrivée? En plus, elle est plus très loin, je crois. 6ème. Ouais, ça va le j'ai évité. On va éviter un peu de banane. Ah mince, 7ème, juste avant l'arrivée, quoi. Ouais, et deux premières courses, ça allait, mais là, c'est quand même plus dur. Hein. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Du coup, j'arrive combien? 3ème. C'est Wario qui est premier, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite cérémonie? Ah bah tiens, c'est les bestioles... Parce que juste avant, en fait, j'ai essayé Mario Sunshine. Les bestioles qui sont Mario Sunshine. Ah, ouais, une belle voiture, Wario, quand même. Et qui c'est qui est deuxième? C'est Luigi et Princesse Daisy, non? Et Luigi et Daisy. Et moi, je suis troisième avec la Princesse Peach. Bah, c'est quand même pas mal, quoi, pour une première fois. C'est quoi, la coupe en chocolat? Non, la coupe de bronze. Écoutez, c'est pas mal, je vais rentrer mon nom. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo, ce que vous pensez de ce jeu. Si vous l'avez connu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.